Ah non, pardon. Oshirusa. Le oui. Anou. Carré. Oshi. Risa. Uri. Anou. Kabu. Anou. Carré. Oshi. Risa. Uri. Anou. Kabu. Anou. Carré. Oshi. Risa. Uri. Kabu. Anou. Fabienne, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ceci est une... Hein? Mais non, Fabienne, je ne peux pas m'arrêter. Vous voyez bien que ça se dégonfle. Mais oui, d'accord, c'est une poupée gonflable. Mais Fabienne, je vous jure que... Ah, bien sûr, bien sûr. Je comprends que ça vous choque, mais je vous dis, ce n'est pas du tout, du tout ce que vous croyez. Mais enfin, Fabienne, vous ne pouvez pas me faire mettre à la porte. Je vous dis que c'est un outil de travail. Voyons, Fabienne. Mais tant pis, je continuerai plus tard. Mais arrêtez de me tirer comme ça. Est-ce que vous êtes têtu? Je vous jure, ce n'est pas ce que vous croyez. Bon, d'accord, d'accord. C'est une poupée gonflable. Ça peut prêter à confusion, mais je vous assure, vous vous trompez, Fabienne. Mais et puis arrêtez de vous mettre dans un état pareil. Écoutez-moi, c'est une expérience scientifique, vous comprenez? Je ne peux pas encore vous dire le résultat. Ça nuirait à mon cours. Ou alors, quand vous avez quelque chose en tête, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quelque chose dans cette armoire? Vous savez qu'il n'y a rien dedans. Vous voulez que je l'ouvre? Écoutez, Fabienne, si vous voulez les fournitures, c'est dans les casiers du fond. Bon, Fabienne, franchement, vous exagérez. M'arracher à mon travail pour me demander d'ouvrir une armoire vide, je pense que vous auriez pu le faire toute seule. Là, c'est ouvert. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez bien qu'il n'y a rien dedans. Ah, c'est ça. Vous avez trouvé un bracelet. Mais vous pouvez le garder, ma petite Fabienne. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de valeur. Ah, mais calmez-vous. Il vous ira très bien. Vous pouvez l'essayer tout de suite. Prenez-le. Ça doit faire des siècles qu'il est là. D'ailleurs, il faut que je pense à surveiller l'intendance un peu mieux ici. Bon, excusez-moi, mais j'ai du travail. Trop mal comme ça. Hein? Ah, Fabienne, non. Non, 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 non. Ne croyez pas que... Non, mais... Quoi, Anne-Marie? Mais non, pas du tout. Ce n'est pas en serrant cette poupée contre moi que je pensais à Anne-Marie. C'est pour mon prochain coup. Attendez, je vais vous expliquer. Ce qui est difficile en amour... C'est de perdre l'habitude de serrer quelqu'un contre soi. Voilà. Oh. Anne-Marie. Anne-Marie. Mais allez, les garçons, un petit peu de nerf. On dirait de vrais chiffres molles. Sylvie a raison, on se laisse complètement aller, là. Si Mademoiselle Gauthier nous voyait... Tu crois que c'est facile?
Moi, depuis que Geneviève est partie... Mais tu devrais être content, elle est guérie. Et c'est en grande partie grâce à toi. Bien sûr, elle, elle est guérie. Mais moi, j'arrive pas à l'oublier. Mais moi, je suis là. Oui, toi, tu es là. Mais pas Geneviève. Venez, les copains, il a besoin de moi. J'oublie, tu oublies, il oublie, nous oublions, vous oubliez, ils oublient. Je crois que je vais avoir intérêt à faire mes devoirs du soir. Moi, du moment que tu prends pas des cours particuliers avec ma Mathilde, y'a plus de problème. Oh, ça va, je rigole. Dis-moi, Julien, une petite pause gâteau, là, ça te remonterait le moral. Oh non, pas ça. C'est trop dur depuis qu'Anne-Marie n'est pas là. Oh oui, mais c'est 24h sur 24 que je suis mal. Moi aussi, elle me manque. Le chocolat, c'est bonbon. T'es arrivée d'Anne-Marie? Écoute, Fabienne, calme-toi. Justement, on était en train d'en parler. À nous aussi, elle nous manque. C'est peut-être une nouvelle qui lui ressemble. Ah, bah t'as peut-être raison, oui. Marc, on a tellement tous les nerfs à fleur de peau. On aimerait tellement qu'elle soit là. Ah, tu veux écrire quelque chose? Ah, ça, c'est une super idée, ça. Qui a un crayon? J'en ai un dans le sac, laisse-moi voir. C'est entièrement de ma faute. Mais vous l'avez assommée pour abuser d'elle. Arrête, Gérard. Arrête. Elle laisse parler Monsieur Rambier. Merci, Jérémy. Gérard est si impulsif. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Mais dites-le moi, je vous tue. Ah, mais c'est un accident. Un malheureux accident. J'étais en train de préparer une expérience. Je vais dénuder les fils de ma lampe. Mademoiselle Gauthier est rentrée. Je sais pas ce qui s'est passé, elle a touché les fils. Mademoiselle Gauthier a touché les fils? Mais alors? Mais alors elle s'est électrocutée! Vous l'avez tuée! Ah! Vous n'avez pas, c'est rien! Mademoiselle Gauthier est simplement évanouie! Assurez-vous, son cœur bat! Mais vous voyez bien qu'il en profite pour lui caresser la poitrine! Mais vous êtes dégoûtant! Allons, essayez de vous contrôler un peu! Je sais, c'est très impressionnant de voir votre professeur inconscient. Mais c'est pour ça que je faisais des bouche à bouche. C'est le premier exercice d'urgence! Vous l'avez sali! Vous l'avez meurtri! Vous l'avez violé! Mais qu'est-ce que t'as fait, Gérard? Tu l'as tué? J'ai rendu la justice! Et je vais redonner la vie à Mathilde! Mathilde! C'est moi! C'est terrible! Maintenant que Gérard est évanoui, qui va pouvoir sauver Mademoiselle Gauthier? Julien, toi! Mais Sylvie, tu n'y penses pas? Depuis que j'ai embrassé Geneviève, mes lèvres ne peuvent plus toucher d'autres lèvres. Oh, je t'en supplie, fais quelque chose pour la sauver. Mais comment oses-tu me demander ça à moi, avec ce que tu sais? Excuse-moi, j'ai fait de la peine. C'est normal, après tout ce qui vient de se passer, c'est pas grave, ça t'est sorti de la tête. On va la demander à Fabienne. Oh oui, bien sûr, dans ton état. Peut-être déjà tout essoufflé, tu n'y arriveras pas. Bon, ben, j'ai compris. Faut que je me rappelle comment on fait. J'ai lu ça dans un livre de secourisme. Je vais commencer par lui passer le nez. Ça lui fera sûrement ouvrir la bouche. Et je souffle. Oh non! Toi, mais c'est contre nature, ça. Des vergondés! Je te laisse Eh bien, on en a été quitte pour la peur. Enfin, un peu de repos, il n'y paraîtra plus. Quel carnage! J'ai fait plus fort qu'Attila. Hein. Vous êtes sûr que ça va, Mademoiselle Gauthier?
Mais oui, mon petit Gérard. Je ne sens presque plus rien. Et vos petits doigts adorables, ils vous brûlent toujours? Ça va, mon petit Gérard. Ça va. C'est tout à fait supportable. Quand même, Gérard, vous devriez faire plus de gym et cesser de me prendre pour votre punching ball personnel. Excusez-moi, monsieur. Mais quand je vous ai vu coucher sur mademoiselle Gauthier et votre bouche sur la sienne, j'ai pas pu me dominer. Oh, le pauvre. Il a eu peur. Vous pensiez que j'étais morte? Ils tiennent tellement à nous, François. Pardonnez-lui. Gérard est tellement sensible. Il a trop bien fait. Enfin, le principal, c'est que vous soyez revenu à vous. Et vous, Gérard, la prochaine fois, écoutez mes explications avant de vous laisser emporter. Quoi, la prochaine fois? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la prochaine? Rien, tout va bien. Ne t'agis pas comme ça, tu vas te faire mal à la tête. Ah, à présent, vous pourriez nous laisser seuls avec Monsieur Rambier? Vous avez certainement des devoirs à faire. Qu'est-ce qu'il y a, Mathilde Fabienne? Vous voulez dire quelque chose? Anne-Marie? Vous voulez parler d'Anne-Marie? Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est une confusion. Mais qu'est-ce que c'est que ça, François? Ah non, ça, c'est rien. Mais non, Fabienne, qu'allez-vous imaginer? Je crois qu'il veut écrire quelque chose, c'est ça? Mais oui, hein? Vous avez raison. Ça concerne Anne-Marie? Mais non, ça n'a aucun rapport. Anne-Marie est revenue. Au collège? Mais vous étiez au courant, monsieur Rambier? Mais non, pourquoi vous me demandez ça, Gérard? Je suis comme vous, aussi étonné de ce que dit Fabienne. Mais vous êtes sûre, ma petite Fabienne? Mon Dieu! Oh, c'est encore ma faute! Oh, je n'ai pas recouvert les fils! Venez vite, François, aidez-moi! Il n'y a pas de temps à perdre! Sa respiration! Il faut la transporter dans la chambre! Il y a plus de chance! Oui! Elle a reçu un tel choc en s'électrocutant. Oh, t'as raison. On dirait qu'elle est encore branchée sur une pile. Elle peut pas s'empêcher de courir. Elle veut nous montrer quelque chose. Oui. Oh mon Dieu! La fenêtre est ouverte. T'as surpris un voleur. C'est sûrement ça. Et elle a essayé de se défendre. Oh ma pauvre Fabienne! Est-ce qu'il t'a fait du mal? Quoi? Il est encore là? Non, il est encore là. Regarde sur le lit. Oh non, il est pas encore parti. C'est sûr, Fabienne a vu quelqu'un. Oh, calme-toi, ma petite Fabienne. Oh, tu sais, c'est pas facile de comprendre. Hein. Tu vas essayer de répondre par oui ou par non, d'accord? Voilà, et nous aussi. Alors, on va poser une question chacun notre tour. Alors, résumons la situation. Bon, alors, tu te reposais, et quelqu'un est entré dans la chambre. Il t'a attaqué? Est-ce qu'il est venu pour prendre quelque chose? Et il a fouillé la chambre et il a cassé ses vases. C'est toi qui as tout cassé? Hein? Ah, ça y est, j'ai compris. T'as tout jeté par terre pour faire du bruit, pour qu'on vienne à ton secours. Il a eu temps de repartir. Mais, est-ce qu'il a emporté quelque chose? Je comprends rien. Oh mon Dieu, ma pauvre Fabienne! Bon, écoutez, on peut pas la laisser comme ça, alors moi je vais chercher mademoiselle Gauthier. Oui, vite. Oui. Non, oui. On va l'allonger pendant ce temps. Allez, moi je vais ramasser les morceaux pour pas qu'on se blesse. Alors, docteur, c'est grave? Ah, cette petite a subi un terrible choc. Mais vous allez la guérir, docteur. Ne vous affolez pas. Aucune des fonctions vitales n'a été atteinte. Et tout ça, c'est de ma faute. Vous pensez vraiment qu'elle va s'en remettre? Ben pour le moment, je lui ai fait une piqûre pour la calmer. Mais vous me dites qu'elle a été en contact avec des fils électriques? Oui, c'est ça, dans le bureau de monsieur Rambier. Eh oui, vous comprenez, je ne pouvais pas prévoir qu'elle allait s'approcher de mon bureau. Oh, c'est affreux. Non, mais il n'y a pas que ça, hein.
Son état ressemble davantage à une crise de nerfs. Il a dû se passer autre chose. Oh, c'est vrai qu'elle n'est pas comme d'habitude depuis ce matin. Et comment était-elle ? Nerveuse. Comme si elle voulait nous dire quelque chose. Oui, quelque chose de grave. Oui, je sais. En réalité, c'est une horrible méprise. Mais non, François, ce n'est qu'un accident. Mais elle ne m'a pas laissé le temps de lui expliquer. La poupée, vous comprenez ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poupée ? Ah, une horrible méprise, docteur. J'en suis sûre, François. Bon, voilà. Cette pauvre enfant est entrée dans mon bureau juste au moment où j'ai soufflé dans une poupée gonflable. Et ça a dû la traumatiser, voilà. Une poupée gonflable ? Bah oui, j'en ai besoin pour votre leçon de demain. Non, mais je rêve. Et maintenant, il s'exerce sur une poupée. Et vous pensez que cette pauvre petite a été impressionnée par cet objet ? Il n'y a pourtant là rien de choquant. Après tout, ce n'est que du plastique. Ça a peut-être été suffisant pour créer un choc émotionnel. Ces pauvres petits sont tous si sensibles. Quand elle m'a vu avec la poupée, elle a cru que je pensais à Anne-Marie. Et comme elle a perdu l'usage de la parole, elle a voulu s'exprimer par écrit. Et elle s'est beaucoup énervée, voilà. Alors c'est ça ce qu'elle voulait dire. Oh la pauvre. Je n'ai pas réussi à la convaincre du contraire. Ouais, ben moi ça m'étonne pas. Eh bien vous avez tort, mon petit Gérard. Vous devez toujours faire confiance à vos professeurs. Allons, il faut la laisser se reposer maintenant. Elle va dormir quelques heures et demain il n'y paraîtra plus. Vraiment. Oh, comme je m'en veux. La prochaine fois, je fermerai le bureau à clé. Et je resterai près de vous pendant vos expériences. Alors ça, c'est vraiment pas nécessaire. Ah, mon Dieu. Que d'émotions aujourd'hui. Le médecin était très rassurant. Détendez-vous, François. Vous croyez ? Ah, heureusement que vous êtes là, Mathilde. Oh non, François, c'est vous. Vous avez été si efficace. Grâce à vous, le médecin est arrivé immédiatement. Vous ne pouviez rien faire de plus. Hélas, non. Ah, je crois que je vais renoncer à cette poupée qui est la cause de tous ces maux. Oh non, François, ne faites pas ça. Vous êtes toujours si inventif, si imaginatif. Je suis sûre que vous allez leur faire un cours tout à fait remarquable. Mais justement, ils n'ont pas cru que c'était un instrument de travail. C'est pourtant simple. Comment les dégoûter du contact charnel mieux qu'avec cet objet de plastique ? Oh, François, quelle idée merveilleuse ! Merci, Mathilde. Pardon. Vous savez tellement bien réparer mon âme lorsqu'elle est blessée. Vous me faites rougir. Allez, je vous laisse à votre travail. Vous allez avoir besoin de tout votre souffle pour la remettre en état. Reposez-vous bien, Mathilde. Vous êtes sûre que vous n'avez pas trop mal aux mains ? Non, rassurez-vous. Tout va bien, François. Bon courage. Merci. Quelle femme de cœur. Elle me bouleverse.